Alors aujourd'hui, à la demande de la société Steel Timber Sport, on a organisé un entraînement pour tous ceux qui vont participer à la qualification pour le championnat de France à Vigneux-de-Bretagne. Une qualification qui va se dérouler dans un mois à peu près. Le Guild Saxman Club, c'est un club de bûcheronnage sportif qu'on a fondé il y a environ 6 ans. On a commencé à 2 ou 3 personnes et puis petit à petit, l'effectif s'est étoffé. Et maintenant, on est à peu près une dizaine de compétiteurs et une douzaine de bénévoles. Ben, on a un club maintenant qui marche très très bien. Aussi grâce à la ville d'Ugine qui nous met des locaux à disposition, et ben maintenant on a un site d'entraînement particulièrement avantageux puisqu'on peut travailler à l'abri. On a de l'air de stockage pour le matériel, le stockage pour le bois. Donc pour nous c'est beaucoup plus facile. Et ben en fait les Steel Timber Sports se composent de 6 épreuves. Donc 3 épreuves à la hache, 2 épreuves à la tronçonneuse et une épreuve de 6 passe-partout. Une compétition ça va se composer sur une journée. Donc là, sur un championnat de France, on a une manche de qualification et après la finale du championnat de France à 12. Donc en fait, les 12 compétiteurs passent sur les 6 épreuves. Donc le premier marque 12 points et ainsi de suite sur les épreuves. Et à la fin, on a un champion de France. Bon, en fait, on y vient pour ma part un peu par hasard. Après, maintenant, il y a plusieurs clubs. Il y a 8 clubs en France, il me semble. Donc en fait, on se rapproche d'un club, on vient, on s'entraîne et après on peut participer à des stages comme aujourd'hui pour se perfectionner puis atteindre les manches de qualif et les championnats de France.